to your favorite modern world. Bonjour tout le monde. Devinez qui m'a fait découvrir le groupe Omnerod. Oui, c'est encore lui. Mi-avril, ils nous présentaient en avance de phase leur dernier album, The Amensal Rise. Et ce que j'en ai lu et entendu m'a donné furieusement envie d'en écouter plus. Mais voilà, l'album n'étant pas encore sorti, j'ai dû me rabattre sur leur précédente production, Arteries, sortie en 2019. Omnerod est une formation belge de death post-metal progressif qui existe depuis 2014 avec 3 disques à leur actif. Dans Arteries, vous allez entendre du chant clair, du growl, du chant, du post-metal, de la guitare acoustique et une écriture complexe et riche, voire alambiquée, qui les propulse dans les sphères progressives malgré certains aspects brutaux de leur musique. L'album dure 69 minutes pour 8 morceaux, dont un qui approche le quart d'heure. Les deux plus courts sont des instrumentaux, Lines, qui ouvre l'album, et Newt, placé en troisième position. Omnerod se rapproche de bien des manières d'un Haken, d'un Devin Townsend ou d'un Wilderen. En effet, chaque morceau apporte sa dose de surprise et il est impossible d'écouter l'album sans s'immerger totalement dedans, sauf à être vacciné avec plusieurs doses de Ziltoïde. Bon, pour être tout à fait honnête avec vous, Omnerod, ça pique un peu parfois. Par exemple, l'avant-dernier titre, Far From the Tree, ne fait pas vraiment dans la dentelle. C'est de la charge lourde de guitare, basse et batterie sur du growl d'outre-tombe avec quelques fioritures électroniques. Et ça dure quand même 7 minutes. Oui. À côté de ça, il y a des titres fleuves comme le dernier morceau Sleep, long de 14 minutes. 4 longs formats à la sauce progressive qui dépassent les 9 minutes. Des pièces riches en rebondissements, bruitages en tout genre, changements de rythme, de chant, alternant métal et acoustique, bref, de quoi remplir l'espace sans donner l'impression de se répéter une seule fois. Le second titre, Guide Them par exemple, fort de presque 10 minutes, alterne chant clair fragile, solo de basse, growl démoniaque, cœur épique, charge métal, chant façon années folles et farandole de guitare sans parler de quelques touches acoustiques. Cela fait beaucoup à écouter pour seulement 2 oreilles et pourtant ça passe comme une lettre à la poste et on en redemande. Je pourrais vous parler de la musique bouglione de Newt, du général refrain de Ascaris, de la guitare électroacoustique en mineur de Nothing Was Vain, mais je pense que le mieux, c'est que vous écoutiez l'album sur Bandcamp. J'en veux terriblement à Stéphane pour avoir spoilé The Amensal Rise, mais sans lui, je n'aurais sans doute jamais découvert ce groupe belge talentueux. Alors il est à moitié pardonné. J'espère que vous aimerez Arteries. N'hésitez pas à me faire part de votre avis en commentaire. Et si vous aimez ces chroniques, abonnez-vous. Objectif 200 followers. Folie! Et merci aux derniers qui nous ont rejoints récemment. Bonne semaine! Bisous!